Bonjour, moi c'est Miha de Maïté Rebecca. Aujourd'hui, je me présente un nouveau projet que Huawei qui fait que lancer. C'est le Huawei MatePad SE11 Kids Edition. Et le Huawei MatePad SE11 Kids Edition, que j'appelle le Kids Corner, qui est une application pour enfants, ce Kids Case et Kids Pencil, l'application Baby Panda World et ce grand mémoire de 128 GB, mémoire interne. Le Huawei MatePad SE vient avec ce cover et que ce pen. Cover là, il peut être lit si jamais il peut tomber. Et pen là aussi, il peut être lit pour faire, pour écrire et pour faire mon painting, tout ça. Là, je vous montre juste l'application Kids Corner qui trouve dans le Huawei MatePad SE11 Kids Edition. Il est déjà intégré dans MatePad quand même. Et cette application-là, en fait, pour créer une fun and safe experience pour les enfants. Et premier d'abord, nous avons un peu le parental control. Je suppose mettre un code au Kids Corner pour les enfants. Voilà. Ça. Dans ce setting, le Kids Corner là, où vous trouvez au cave, métier d'après vous, où vous avez le time management, app management, content management. Le time management, ça, pour contrôler aux enfants, le comme il est temps, il peut servir tablette là. Le app management, vous gagnez, que tout cas, sélectionnez qui m'a photo vidéo aux enfants qui ont accès. Et le content management, ça, vous choisissez quelle application aux enfants qui ont accès là. Voilà. Nous rentrons au time management là, vous trouvez quand c'est le temps, quand c'est minutes qui aux enfants qui ont accès. Pause session, tout cas, mettez-les. Commit my rest between sessions. App management. App management, ou cas sélectionner qui mon application aux enfants qui ont accès là. Et content management, mon photo et vidéo aux enfants qui ont accès. Eye protection aussi, vous pouvez là le blue light filter que tu pour aider, pas fatigue sur les yeux. Ok, même mon posture alert. Que si il peut m'attraper tablette là, il peut indiquer qu'il peut m'attraper tablette là. Le brightness alert, bumpy road alert, si jamais on peut rouler aux enfants, on peut servir tablette là à l'oeil, et il peut indiquer le bumpy road alert. Et e-book mode, si jamais on peut mettre le e-book mode, là, il peut venir blanc noir, que tu pas fatigué sur le sujet, il peut faire, on peut lire un livre. Voilà, ça c'est mon application qui est dans le Kids Corner. Et aussi pour les Kids Apps. Depuis le Kids Corner, la même quand on rentre là. Il montre beaucoup d'applications, beaucoup de games aux enfants qui ont download depuis l'application. Ok, aussi le fameux Baby Panda World. Ça, c'est une application de Kids Corner. Il est bien intéressant pour mes enfants. Quand ils peuvent rentrer au Baby Panda World, il y a encore un game là, que tu peux faire un painting, tu peux faire différents games là, comment on peut trouver. Et clique là, mais beaucoup man game là, vu qu'il y a une tablette qui est là, 128 GB, oui, 128 GB mémoire interne, que tu vous gardes dans le tout sur mon application aussi facilement. Voilà. Merci.